Je vais vous parler du flux et de la difficulté qu'il y a à appréhender le flux et à le décomposer. Par exemple, le flux musical. Par exemple, bon, moi, quand je joue du piano, on a un flux. Quand j'improvise, on a un flux. Maintenant, ce flux, est-ce qu'on peut le décomposer en notes, en touches sur le piano? Ou est-ce qu'il faut le laisser dans sa dimension de flux, dans sa dimension de continuum? Alors évidemment, on va essayer de faire semblant que les notes produisent un continuum, mais c'est un continuum fictif, factice. De la même façon, dans toutes sortes de domaines, c'est la même chose. Si on prend le cas de l'astrologie, il faut essayer de retrouver un continuum, une fluidité, et pas un découpage en mille morceaux, en miettes, le savoir en miettes. Je me souviens que quand je faisais mes études de droit à Assas, il y avait un bouquin qui s'appelait comme ça, je crois que c'était de Forestier, qui s'appelait Le savoir en miettes. Voilà. Eh bien, le savoir en miettes ne permet pas d'appréhender correctement le continuum. C'est un pseudo-continuum. Je dis ça notamment parce que j'ai assisté cet après-midi à un concours entre des violoncellistes, des violonistes, etc. Et bon, alors il fallait qu'ils jouent d'après la partition, etc. Et moi je dis que le fait que le compositeur doive mettre sa musique, noter sa musique, c'est déjà un facteur complètement opposé à la production musicale elle-même. C'est le flux, c'est quelque chose qui ne peut pas. C'est intéressant parce qu'on retrouve les questions quantiques, mécanique ondulatoire, etc. Le flux ne peut pas être réduit à une notation. Voilà. La notation tue le flux.